Info 243, la référence de l'actualité. Dimanche 10 janvier 2021, avec la nouvelle énergie, détermination d'éclairer quelques lignes d'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Tokozongi a la question d'actualité avec un invité aujourd'hui. Azali Moutoro présenté sous thé parce qu'Azali est habitué à Plateau Nabisso. Moi, Namboka, Maître Grace Tuiza. Maître avocat, coordonnateur de la plateforme au mouvement Impunité Zéro. Bienvenue, bonjour. Bonjour, Ndeko Raphaël. Première édition en 2021. 2021, Bandi, on est en Niponayo. Bon, 2021, et Bandi. Politiquement. Na soko lobela na oetali maï matali politique. Eli Kezali. Eli Kezali pour tout le monde était. Oui, mais que toi, clôturer qui émission, il y a une bisoumi balé. Sala qui émission, il y a une biasuka, il y a une bisoumi balé. Tout Bandi pe, je suis parmi les invités dans Yambo, il y a une 2021, c'était un honneur. To clôturer to bandi c'est que mambo ya bezali mais pour en globa 2021 to bandi ango bien parce que pour nangeza année à triomphe aza année à triomphe pour nanga aza année ya o ba peuple congolais ba quoi ba ko kota na ba dimension ya ba likia makasi ya ba ko palper ba réalité mususu to moni et na 2021 na politique président za ko la kabi soit ko nommé premier ministre un de ces quatre mandats c'est-à-dire janvier aussi là mais février aussi là té on nommé premier ministre donc au niveau politique ya sika ekokota na gouvernement ya mboka et donc ba elik eza makasi moni pe ba edi kapen ba bimi eza ba demande biso to sala ki to moni pe lisusu nini makambo ndenge zo kende Roger Lumbala bakangi po na ngai na compte na bilan na ngai lutte contre l'impunité 2021 et bandi vraiment na esengo makasi po na lutte contre l'impunité. Impunité zéro, au Bengi mouvement, à auto campagne, à Olansaki, l'élo dossier, il y a Moko, il y a plutôt un bateau, Babouma qui ancien président de la République, l'élo va bénéficier de la grâce présidentielle. Comment vous trouvez d'abord aujourd'hui ce qu'on va reprocher qu'il a Ndeko, Ndeko, Raphaël, est-ce que vraiment au Koki Kozala la conscience? Pour le bas et assassinat qui président ancien président de la République pour dossier wana to quoi ko likia na procès to na équitabilité à justice na régime ya Kabila te pour ça qui régime moko ya vengeance ya terreur et tu tira ko bimandenge groupe ya ba poto ya moto senga ki biso na compte à lutte contre l'impunité était batouana Babima, pour parmi bango tozana ba Césaire Muzima, tozana ba Willy Bilolo, tozana ba Fiston, ba to ba lokota kaka bongo, étudiant un étudiant ba ke ba kangi o complot contre l'assassinat du chef de l'État. Hein? Donc par côté il y a assassinat il y a du chef de l'État Laurent Désiré Kabila. Donc on zomona ke pour maquiller en fait et couvrir les innocents qui devaient être en liberté et qui ils sont en liberté jusqu'à aujourd'hui, il fallait arrêter les innocents. Je ne vais pas loin de moi l'idée à Koloba était parmi ba oyo bazaki na prison, ba coupable et peut-être ba participant actif ou passif, il y a nini, il y a assassinat Laurent Désiré Kabila bazate. Mais au moins il serait important ndenge bazaki gracié to relancer parce que déjà ils a parmi ba tous autres topé ce bango un mois à janvier bah se reposer bah dans na famille en février to comprendre langue na bango na compte ya dynamique impunité autres après ya kotia ba avocat pe ko la musa dossier wana pour être ba véritable auteur ya assassinat ya Laurent Désiré Kabila base à la cône ozomona alors ce qui peut Joseph Kabila famille na ba se constituer na partie civile. Mais tout ça, on a besoin de base à la wana. Parce que nous avons besoin, on ne peut jamais accepter qu'un ancien président de la République démocratique du Congo soit assassiné le modèle de Laurent Désiré Kabila. Non, c'est tout le monde. Voilà pourquoi, tout le monde est que, bango nyonso, au bazar qui est en prison, bazar est innocent. Tout le monde est que, bango nyonso, bazar est coupable, mais vérité est éclatée. Il y a une dynamique impunité. Tout le monde est tout ça, là, qui est tout ça, là.
Tout le lit partout, tout ça, qui n'a pas cours consonnés, tout ça, qui partout, n'a pas présent, tout ça, les lettres partout. Le lot président Ayano Libiso a gracié Bango pour la vérité. Alors aujourd'hui, na kati ya makamonsu yambo kalabiso le kaki, au komona ba gracié de l'autre côté, ba gracié ba tumisusu, de l'autre côté ba tumisusu, ba kolé la d'autres familles également aujourd'hui, ba tika toujours dans la blessure. Parlons de dossier HBA. Bon, na lobi boye. Retiens ce que je dis, Sindeko Raphaël. Moi, je crois en Dieu. Aucun criminel du passé, sous le régime sanguinaire, terroriste de M. Kabila, restera impuni. Retiens, je le répète, aucun criminel sous le régime de Kabila restera impuni. Ceux qui ont assassiné Floribert Chebeya et Fidel Bazana, jusque là nous continuons à demander la justice, nous allons encore accentuer. Ceux qui ont assassiné Rossi Timanga, Thérèse Kapangala, ceux qui ont organisé le fausse commis de Maluku, ceux qui ont organisé, le massacre de Beni Yumbi, ceux qui ont organisé le massacre de Kamounan Sapo Kasai. Retenez-les. Aucun criminel du passé restera impuni. Dieu, notre Dieu, le Dieu que moi je prie, le Dieu que je sers, est un Dieu de justice. Dieu va venger la justice de ceux qui ont été assassinés, tués. Ce qui veut dire quoi? Les assassins de Fidel Bazane et de Floribert Chebeya finiront par la prison. D'une manière ou d'une autre. Ce qui est là, c'est constitué à la force dissous ou encore supplémentaire et supplémentaire après. Aucune force dépasse la force de mon Dieu. Et aucune force ne peut dépasser la volonté d'un peuple de changer les choses. Je commence par Dieu et je commence par le peuple. Parce que Dieu travaille avec le peuple. Retiens-le. Par contre, nous, nous sommes forts parce que nous sommes unis. Le peuple est uni. Je crois à l'unité de ma population. Nous serons unis parce que nous allons réclamer la justice et l'état des droits. Alors, rapport mapping, cité plusieurs politiciens en Mboka Nabiso, surtout à tous les régimes, il y a lobby. Aujourd'hui, rapport mapping, on peut espérer quelque chose. Il y a Taboula Raza. Bon, rapport mapping. Le crime clairement défini dans le statut de Rome, dans le crime clairement défini dans le statut de Rome, objet à rapport mapping, et ça, dans le principe, il y a une imprescriptibilité. C'est-à-dire, il y a 100 ans, le beaucoup. Crime, wana, étant donné que ça a vie, atteint à qui m'a bangé, tous ceux qui sont cités sous le rapport mapping feront l'objet des arrestations. Aujourd'hui, bazalaka kana mboka ndeto lobaki yango monike non ndeto za to prophétiser que Roger Lumbala na France va s'appeler ni bakangi. Parce que la France fait partie des statuts de Rome. Et lorsque tu commets les crimes clairement définis au statut de Rome, n'importe quel pays peut t'arrêter. Membre du statut de Rome. Il y a des pays où il y a des membres pétés. Pays non membre du statut de Rome, il y a une procédure spécialisée. En fait, il faut retenir que le statut de Rome est protégé par le principe de supranationalité. Il est au-dessus des nations, au-dessus de nos États. Et donc, les États ont fusionné leur souveraineté pour céder à leur propre souveraineté nationale. Devant le crime humanité. Et donc, au Tolobi Boyo. En fait, le problème, c'est quoi? Moi, je suis légaliste. Je crois au droit, je crois à la loi. Parce que le malheur des autres font le bonheur des autres, des uns. Et donc, on a yebi. Soki obuka ki mibeko ya mboka bakokanga yo point bar. Je ne suis ni en guerre avec qui que ce soit. C'est clair de ko Raphaël. Soki bamsu ba mona ngweza tremplin mais pour nga bi soki eza epo nanga e servir modèle.
atapo na ba oyo baza ko kana bakota na na pouvoir na nzela ya minduki ba boma batu ba organiser pour na baye bakozwa anini code part na bango na ba institution ya mboka et servir modèle parce qu'aujourd'hui avec la démocratie avancée aujourd'hui parce qu'il faut le dire c'est mettons à deuxième élection à Bissau troisième élection à Bissau plutôt 2006 2011 il faut oublier 2018, il faut oublier l'accession au pouvoir et déjà nous sommes en train d'avancer dans la civilisation. La vengeance privée est révolue. La force est à la raison. Le droit, c'est lui qui installe le pouvoir. Ce que l'on a comme à mon cousin Mboka, on mobilise la population, non? Ce que la population va l'ingio, la commission mon cousin m'a bezawap. Il faut oublier. Je l'ai dit comme Lambert Mende. Il faut oublier. Lui, il a dit que la République démocratique du Congo n'est pas un pays. Il faut oublier que la communauté internationale. Moi, j'ai dit qu'il faut oublier l'accession au pouvoir par les voies des armes. Il faut oublier qu'on peut accéder au pouvoir par le moyen ou les canaux malsains. C'est-à-dire, nous avons dit que 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 nous avons dit. Il faut oublier. Parce que le monde est déjà que. Mais avec ce bateau, nous sommes peut-être les lots. L'Union africaine condamne cet aspect. Vous savez, ceux qui sont là en train, je vois ceux qui sont en train de mentir qu'ils sont malades. Ou bazoko qui m'en a l'Afrique du Sud, bazoko qui m'a wapi, mais bazoko ça va être malade pour que vous préparez ma rébellion. Toye bibino. Ezanoto ya baba. Afrique du Sud déjà Roubaix Wakana. Non papa, Nathan Komba mututé. Ngai Nathan Komba, yo za journaliste, ceux qui yo yebi bango mais il y a des gens qui mentent. Il y a les gens qui mentent. Nathan Komba mututé. Hein, je respecte la loi, je respecte le personnalité des autres, les droits des autres. Nathan Komba mututé, mais ceux qui se réfugient en Afrique du Sud, ceux qui se réfugient partout azoko ça qui va za malade pour aller préparer conspirer les choses contre la République, il faut oublier l'accession au pouvoir par avoir des armes. Par contre, vous serez arrêté. Et là, c'est la loi qui doit parler. Devant l'accession au pouvoir, c'est la Constitution. C'est même la Constitution qui est la génétique du pouvoir. La Constitution qui est la. Comment utiliser malice à l'article 64. Non, 64, non, l'article 64. Ce n'est pas tout le monde qui est constitutionnaliste, papa. Mais c'est tout Tanguy Yango. Article 64, il faut aussi Mamindo qui est en pouvoir. Non. Kabila a oublié le pouvoir en dehors de la Constitution, au-delà même du respect de la Constitution. Est-ce que c'est aussi Mamindo qui est en pouvoir? Parce que nous avons combattu Kabila. C'est aussi Mamindo qui est en pouvoir. Non. Vous comprenez un peu. Alors, crois à la loi et retenez que maintenant, le temps contre l'impunité. Je vous dis. Ceux qui attendent l'arrestation de Kabila, l'arrestation de Kabila fera l'objet des campagnes électorales de 2023. Comment ça? L'arrestation de Kabila, je l'ai dit, retenez. L'arrestation de Kabila fera l'objet de la campagne électorale de 2023. C'est-à-dire? Je ne vais pas. Je laisse à l'opinion de réfléchir. Je suis leader. Je ne vais pas tout expliquer ici. Je dis ceci. S'il faut résumer ça, mettre ça sur les réseaux sociaux pour que les gens réfléchissent. L'arrestation de Kabila, pas aujourd'hui, pas en 2023, en 2022, mais en 2023, ça fera l'objet d'une campagne électorale. J'ai dit. Arrêter Kabila pour. L'arrestation de Kabila. Parce que le peuple attend. Le peuple attend. Toi, expliquez en la ligne là, s'il vous plaît. Na lobby boye. Na lobby boye. Kokanga ya Kabila, kotinde na boloko. Yangonde, Isa. Hein, campagne électorale hein, en 2023. Pour tu es dans le lobby. Pour na yo? Na lobby kak. Osa candidat? Na lobby kak. Et alors, quand on a eu en 2023, faire arrêter une personne pour de fin, il y a propagande? Non, parce que la propagande, c'est parce que le peuple a dit que Kabila a. L'ennemi de tous les Congolais, c'est Joseph Kabila. Et lorsqu'on enlève, c'est lui qui va faciliter l'arrestation de l'ennemi. C'est tout le peuple qui va l'accepter, non? Et maintenant, si aujourd'hui le président de la République acceptait que la CPI
mettre la main sur Kabila. Le peuple ne l'a pas accepté. Et en 2020, il aura besoin de battre campagne. Voilà pourquoi je dis, il fallait pas que j'explique ça comme leader. Si le président de la République, Félix Tshisekedi, facilite l'arrestation de Kabila, en 2023, il n'aura pas droit de dépenser même un sou pour se faire président de la République. Pourquoi? Parce que Kabila est l'ennemi commun de tous les Congolais. Ah bon? Kabila est l'ennemi commun de tous les Congolais. Sur quel point là, Kabila? Oh, Kabila, yende aza na base ya souffrance ya peuple. Kabila aza na base ya ba massacre eza ko organiser eza auto vivre na ben na est. Oti le eza ko continuer bazo mutiler bato. C'est lui qui a affaibli notre armée. C'est lui qui a accepté l'infiltration au niveau de notre armée. C'est Kabila qui a volé les caisses de l'État. C'est Kabila qui est à la base des pillages de nos ressources naturelles avec plusieurs titres miniers. Mais c'est lui l'ennemi privé, l'ennemi commun de tout le peuple. Et si aujourd'hui on met la main sur lui, c'est lui qui va faciliter. Même le magistrat qui aura le courage, s'il postule à la présidence, le peuple va le voter. L'arrestation de Kabila fera l'objet qu'on oublie qu'on va arrêter Kabila aujourd'hui, donc en 2020, en 2021, demain en 2022. Mais l'arrestation de Kabila, c'est en 2023, pas ça fera l'objet. Par un candidat président de la République? C'est lui qui va faciliter. Si c'est moi, c'est lui qui va faciliter, sera président de la République et ne fournira pas assez d'efforts. Le peuple va le voter. 12 millions de francs Congo et 12 millions de dollars pour une session extraordinaire. Le bureau d'âge. Le président de la République prend la philosophie de son père qui nous a initiés dans ces combats, le peuple d'abord. Et lorsque, pour 500 personnes qui se prétendent travailler pour le peuple, pour l'intérêt de la nation, vous demandez 12 millions, vous ne travaillez pas pour le peuple d'abord. Voilà pourquoi j'invite le président de la République à faire réfléchir le bureau d'âge. Ce n'est pas de l'ingérence dans les affaires du Parlement. J'invite le ministre du budget à bloquer ce budget-là, ne pas débloquer 12 millions. Parce que le peuple ne se retrouve pas autour de si ça. Si aujourd'hui, bah, c'est 12 millions. Pour un mois. Si vous avez question, on a tout nié. Tant que les députés, le président de l'Assemblée nationale, le budget, plutôt, la session extraordinaire, c'est combien? Mais tu le dis, Boye. Il est grand temps. Il n'est jamais eu depuis que le Congo existe, et surtout sous le régime de Kabila, un parlement qui a travaillé pour le bien du peuple, il faut le reconnaître. Mais au moins, ce parlement a une chance de travailler pour le bien du peuple, parce que le peuple bénéficie jusque-là du crédit du peuple. Alors, pour travailler pour l'intérêt du peuple, c'est lui. Exemple, Ndeko Raphaël, tant qu'on a yaka awa kosaba et monsieur Pana, on a foutu à combien? Au bébé, ça va méga, non, pour autant, non, partout, n'est-ce pas? Tu travailles pour le peuple. Le temps que nous avons, nous travaillons pour le peuple. Le peuple nous paye combien? Et comme qui nous paye? Nous dépensons parfois de nos argents pour que. Pour communiquer, pour sensibiliser, pour travailler au profit du peuple, nous payons comme. Et si les députés se prétendent aimer le peuple, c'est contre la philosophie du peuple d'abord. Le peuple d'abord souffre, le peuple d'abord avec. Vous savez, avec 12 millions, vous pouvez réhabiliter la route de. Quelle route ici? Victoire, Isako Tonda Nabamaï. Vous pouvez réhabiliter avec ces 12 millions. Vous pouvez mettre des caniveaux. Avec 12 millions. Boum, il y a presque. Un de quel est ce le député? Peuple congolais, pas question. Sinon, on va organiser des sit-ins. Non, c'est pas normal. On a besoin que le bureau d'âge travaille dans un mois, toujours bureau définitif. Mais on n'a pas besoin d'un budget colossal. Au moins, on peut raisonner en termes il y a un carburant, il y a un député, il y a retourne à Bangolem, soit à moi, un biscuit, il y a mais mettre. Oh, parce que, non. Ça, c'est au-delà de la philosophie du peuple d'abord. Et là, sur une voie déjà de décaissement? Non, c'est une voie de décaissement, c'est-à-dire nous sommes jusque là, nous restons dans le système de Kabila. Je l'ai dit, si le président Félix Tshisekedi accepte, il est vrai qu'il n'est pas autorité budgétaire, mais le ministre du budget peut bloquer les choses quand même. Si vous travaillez, et puis vous travaillez pour la République, si moi je suis là, c'est pour la République.
si il y a un ministre qui travaille pour la République, peut bloquer le ministre du budget et des finances. Bon, qu'il faut bloquer le budget, parce que c'est, ça ne répond pas. Une simple justification, ça ne répond pas à la philosophie du peuple d'abord. Pendant que le peuple souffre. Le peuple souffre. Le fonctionnaire souffre. Bazan, on a un paiement jusqu'à aujourd'hui. Bino, un groupe d'individus, vous demandez des budgets colossaux. Non, c'est compliqué. Alors, tu combines presque la souk édition à Bissot. Moi, je suis maître grâce à Chuisa. Tu équipes également certains. Balbi ensemble, ou à reconditionner participation à la banque haute. Non, jusque là. Na cahier des charges là-bas. Na lobby, boy, là, j'ai fait un appel au président Moïse Katumbi. Vous savez, j'aime votre passion pour ce peuple. Vous aimez tellement le peuple que. Non, je ne sais pas comment le signifier. Mais je vous fais, Ndeko Raphaël Sunganga t'a extrait comme la Moïse Katumbi. Toka t'a comme la Tambola. J'ai dit ceci, Yebisa ba député ya ensemble, le pays a besoin de l'unité. Vous voyez les gens qui meurent là à Beni. Il ne suffit pas seulement d'aller donner les dons, cher président Katumbi. Mais il suffit d'avoir les autorités politiques qui travaillent pour que les choses aillent dans le sens de renforcer la sécurité territoriale de Beni, la sécurité territoriale de toute l'étendue du territoire national. Mais lorsque vous avez les députés qui ne voient que, par exemple, Nzangi, qu'on a applaudi tout le monde d'avoir pris le courage exceptionnel, commencer à conditionner, à faire le chantage, c'est qu'il nous pousse à croire que jusque-là, même dans l'ensemble, il n'y a pas le député qui travaille pour l'intérêt du peuple et pour la sécurité de notre pays. Cher président Katumbi, mobilisez les députés. Il y a ensemble. Pour le changement. Yebisa bango boye, nangonga oyo. La menace qui pèse sur la République et sur notre peuple est plus vaste que nos ambitions. Oui, il est vrai que vous devez avoir les ambitions, cher président, avec le dépêcheur député. Il est vrai que chacun doit avoir une vision. Mais pour l'instant, le peuple a besoin de l'unité. Parce que dans l'unité que nous allons réussir à sauver l'Est de la République, dans l'unité que nous allons réussir, à faire développer notre pays. C'est dans l'unité qu'on peut changer les choses. C'est dans l'unité que nous allons réussir même à mettre hors état de nuit l'occupant. Le pays menacé par l'occupant. Le pays menacé par ceux qui sont en train de profiter derrière ce qui se passe à l'Est. Le pays menacé par la séparation. Mais cher président, nous avons besoin de l'unité. Parce que ceux qui meurent là à Ben, ce sont nos frères. Alors pour sauver ces gens-là, nous avons besoin d'être unis. C'est dans l'unité que nous sommes forts. Merci. Aucune personne ne sera fort en étant seul. Cher président Katumbi, ce message vous est destiné parce que le comportement de certains députés du ensemble dérange la culture de tout un peuple. Merci, c'est l'infini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Tout à l'heure, nous avons eu la grâce Twiza, Adali, maître avocat, coordonnateur. Il y a plateforme, tout un mouvement. Dynamique impunité zéro, tout comme la souka édition à Bissot et à Lélo, tout coûte prochainement. Merci pour votre disponibilité. Moi, la Moka, maître Grâce Chusa. Au revoir, ça n'est fini pour cette édition. Tout coûte prochainement. Au revoir, bye. Je suis Raphaël Walukonka. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info 243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo. Pona koyeba basango ya Congo, pe koyeba makambo nyonso koleka na Congo, batata ba mama bo sabone na Info 243, na mwana na bino Raphaël Walukonka. Merci.